Bonjour. Bonjour, professeur. Bushido, l'arme du samouraï. Il avait un code de l'honneur qui le guidait dans ses moindres gestes. Le samouraï savait que son ultime test, que son moment de vérité, existerait seulement une fois devant l'inévitable mort. Se présenter devant le visage de la mort, sans crainte et sans restriction, sans chercher cette mort. Mais en l'acceptant. Représentait l'aboutissement du long voyage terrestre du samouraï. Le naze, c'est génial ça. Oui, génial. Stuart. Oui, monsieur. C'est professeur, le naze. Oh oui, c'est magnifique ici. Et tout le monde est absolument formidable. Oui, les Brésiliens sont des gens merveilleux. À quelle heure tu fais ton discours sur les forêts tropicales? 10 h demain matin. Et après ça, je crois que je vais visiter un hôpital pour enfants ici à Rio. Service secret US, cette zone est interdite. Hey! Personne n'est autorisé à pénétrer dans ce secteur! Comment va ma mère? Elle veut toujours changer la décoration du salon Lincoln, mais à part ça, elle va bien. Dis-moi, comment se fait-il que je ne lui ai jamais plu? Elle avait rêvé de me voir épouser un chirurgien. Mademoiselle, vous n'êtes pas autorisée à cet étage. Pardon, no comprendo usted. Hein? Qu'est-ce que c'est? On est en position. Paré à sécuriser. Allez à la plage! Chérie, tu as vu ce que portent les gens sur la plage à Rio de Janeiro? Moi aussi, je t'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mon Dieu. Oui, monsieur. J'arrive immédiatement. Les terroristes se font appeler les représentants de l'armée de libération. Ils réclament 100 millions de dollars et suffisamment d'armes hyper sophistiquées pour renverser le gouvernement du Brésil et déstabiliser toute la région. Je me contrefiche de ce qu'ils peuvent réclamer. Ils ont déjà assassiné 6 membres de nos services secrets. Cette administration ne négociera pas avec des terroristes. Monsieur, c'est votre femme. Je suis parfaitement au courant. Merci. Thank you.
quand? Immédiatement. J'ose espérer que votre mari comprendra que nous, on est prêts à mourir pour notre cause. Bravo, c'est vraiment très mélodramatique. Mais si vous pensez que mon mari va vous donner des armes pour que vous commettiez des assassinats, vous vous faites des illusions. Bon. Si jamais il refuse, adieu. Approximativement à 5 minutes avant destination, monsieur. Le toit, allez voir. Si j'entends encore un seul coup de feu, vous êtes morte. Fouillez-vous! Attention, par là, vite! Et vous là, arrêtez! Service des étages. Oh, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous savez réussir vos entrées. Oh, mais vous êtes blessé. Je n'ai rien. Vous savez nager, madame? Oui, pourquoi? Parfait. Mais qu'est-ce que vous faites? Quoi? Maintenant, mettez vos bras autour de mon cou. Mais nous n'allons quand même pas sauter? Si, madame. Oh, c'est pas vrai. Ça vous rappellera les montagnes russes. Vous le promettez? Mettez vos bras autour de mon cou et accrochez-vous. Votre mari n'est pas jaloux, j'espère. Thank you.
Ravi de vous avoir connu, madame. Merci, merci infiniment. À votre service, madame. Cet homme qui m'a sauvé, qui était-ce? On n'en a pas la moindre idée. Voir Georges. Tu veux que j'aille avec toi? Non, pas cette fois. Ça va? Oui, très bien. Je reviens dans quelques jours. Salut Nevada. Comment vas-tu, bonhomme? Hein? Tiens, tiens, voilà une surprise. Bonjour, Joshua. Bonjour, Georges. Ça fait plaisir de te voir. C'est ce que j'allais dire. Oh. Mais dis donc, direct, t'as fait des travaux? Quelques coups de peinture, c'est tout. Tu veux un café? Volontiers. On m'a parlé de ton numéro avec la femme du président. Ça m'a rappelé la fois où j'avais dû aller en Birmanie et... Pardonne-moi. Je sais que tu n'as pas fait toute cette distance juste pour radoter sur le passé avec moi. Alors vas-y, dis-moi ce qui se passe. Georges, comment as-tu su que le moment était venu? C'est dans les tripes. Un jour, tu le sens. Il faut lever le pied. Je le crois aussi. Et puis, il va falloir que tu trouves quelqu'un pour te remplacer. Exactement comme j'ai fait avec toi. Bon, écoutez-moi. D'après nos sources, d'ici et d'Amérique, le cartel de Santiago est responsable d'au moins 40% de la drogue qui entre illégalement aux États-Unis. Excusez-moi, lieutenant. Allez-y. On n'a rien contre un peu d'action, mais si tout le monde est au courant, pourquoi on n'envoie pas un zing au-dessus de l'usine? Il a qu'à balancer du napalm et nous, on rentre chez nous. Le cartel de Santiago a installé une école élémentaire à côté de l'usine. Quoi? Une école? Exactement. Il y a une prof et probablement une vingtaine d'enfants dans cette école. Ils sont fous! Votre mission, c'est de détruire cette usine tout en gardant un pourcentage de pertes civiles acceptable. Un pourcentage de pertes civiles acceptable? Lieutenant, vous pouvez expliquer exactement à quel chiffre vous pensez? 5 gamins, 6? Ça suffit comme ça, sergent! Vous devez vous rappeler que votre principal objectif, c'est la neutralisation de cette usine. Est-ce que c'est clair? Très clair. Rodrigo, 2-3. Pablo, tráelo para acá. Sí. Córtalo. Cuidado. Tío, baja la caja. Et maintenant, le cours d'anglais. Voilà une pomme. En anglais, on dit apple. Une pomme rouge, one red apple. One red apple. Red apple. Red apple. Parfait. Two red apples. Two red apples. Oui, bravo. Oui, bravo. Heh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 
Non. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Tu aurais dû y penser avant d'être si irrespectueux envers moi. Non, attendez. Don Santiago. Pour l'amour de... Vous voulez que je la batte? Non. J'ai encore un demi-panier de balles à jouer. Aïe, 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 aïe. Attention, n'oubliez pas, l'hélico se repointera ici dans précisément une heure. Une heure, je vous attendrai. Allez, au boulot. En avant. C'est bon. On y va. On est à 3 battements de cils de l'usine. Ça nous laisse 15 minutes pour atteindre le périmètre, 30 minutes pour la mission et 15 minutes pour revenir au point de départ. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi j'ai une question. Tu te maries avec moi? Ce sera avec plaisir, mais j'ai déjà promis à Dobson de l'épouser. Bon, ça suffit. N'oubliez pas, on entre tous, on sort tous. Allez, au boulot. Écoutez-moi bien, il faut que vous emmeniez les enfants le plus loin possible. Qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous faites ce que je vous dis et vous mettez les enfants à l'abri. D'accord. Que je te détache? Derrière! Alors là, oui. On peut y aller? Oui. Alors au travail. Vas-y, fais tout sauter. Groupe-toi. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu fabriques? Fais-moi sauter tout ça. Campez! Campez!
Sauve Rose et Dobson. Je sais pas, sergent, ils étaient juste derrière nous. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons deux hommes qui sont restés sur le terrain. Dépêche-toi, faut y aller. Grouille-toi. Désolé, ils sont trop longs. Une patrouille ennemie approche par ici, on est obligé de dégager. Non, pas question, on ne va nulle part. Décoller. Non, j'ai dit qu'on allait nulle part. Je vous ai donné un ordre, soldat. Je vous ferai passer en cour martiale pour cette folie. Si vous voulez m'envoyer en cour martiale, voilà un bon motif. Regardez, les voilà. Je vais les chercher, couvrez-moi. Attendez, revenez ici. Hey, c'est... Il est seulement touché. T'en fais pas, mon vieux, on rentre à la maison. On dirait que le lieutenant a eu droit à sa part d'action aujourd'hui. Comprenons parfaitement les circonstances exceptionnelles de l'incident et nous apprécions l'intérêt que porte le sergent Slater à ses hommes, mais le fait est là. Vous avez refusé d'exécuter un ordre et vous avez frappé un de vos supérieurs. En conséquence, cette cour n'a pas le choix. Nous devons vous condamner à une peine de 7 ans dans un pénitencier fédéral. Une cigarette? Non, pas de chance, je fume pas. Ça tombe bien, moi non plus. Barre-toi, Slater. Ah, ça, y a aucun risque. Ça te regarde pas, cette histoire. Justement, j'ai envie que ça me regarde. Ah, si ça te fait plaisir. Si tu traînes avec eux, tu pourras crever avec eux. Ça va comme tu veux? Qu'à demander. T'as franchi la ligne, Slater. Maintenant, tu reviendras pas. Écarte-toi, toi. Allez, on y va. C'est pas passé loin. Landgren, cassez-vous! Alors, Slater. On va voir si tu fais autant le malin sans ta bande de macaques. J'ai peur que tu sois déçu. Ah ouais, tu crois? Bon, ouais. Thank you.
de toi, Slater. Je veux dire qu'on était tous là et tout d'un coup, Slater a pété les plombs. Témoin suivant. Heureusement, je suis sorti de là juste à temps. Il est des forces spéciales. Ces types sont des tueurs. On a de la chance d'être encore vivants. Accusé, levez-vous, s'il vous plaît. Condamné à 30 ans. J'ai trouvé 12 remplaçants possibles pour toi. De tous ces hommes, celui-ci me semble le plus prometteur. Dick Slater. Il est en prison ? Oui, mais j'ai vérifié les accusations formulées contre lui. Très franchement, on ne lui a pas fait de cadeau. C'est vrai, ce Slater était recruté par toutes les universités importantes de ce pays. Il aurait pu obtenir des bourses scientifiques ou sportives dans n'importe laquelle sans problème. Il a préféré devenir militaire. Intéressant. D'accord, voyons ce qu'il vaut. Slater! Qui êtes-vous? Je suis votre chance de sortir, Monsieur Slater. Ouvrez la B-409! Comment ça, vous ne pouvez rien me dire? Effectivement, Monsieur Slater, je ne peux rien vous dire. Attendez une seconde, s'il vous plaît. Écoutez, d'abord, vous me faites sortir de prison sans qu'un gardien fasse la moindre objection. Entre nous, je trouve ça quelque peu humiliant. Ensuite, vous m'amenez ici, vous m'annoncez que je vais voir un homme très mystérieux, et maintenant, vous dites que vous ne pouvez pas me donner plus de détails. Vous voyez, vous avez tout compris à la perfection. Alors, c'est lui le type? Un enseignant? Un professeur. Un professeur. Et c'est lui l'homme mystérieux qui va tout m'expliquer. Alors, qui êtes-vous? Je commence à en avoir ras-le-bol d'être baladé comme un pantin. Ça suffit, j'ai des questions à poser et je veux qu'on me réponde. Je vous ai dit que je... Non! Et que vouliez-vous savoir? Et on lui fera aussi un respect. L'homme du président. Ce poste remonte à l'époque d'Abraham Lincoln. Et tous les présidents depuis cette époque ont un homme sur qui ils peuvent compter, quel que soit le problème à régler. Oh, quel que soit le problème à régler, d'accord. Mais dans les limites de la raison et de la moralité. Ce poste est classé top secret. En fait, son existence n'est connue que d'une poignée d'initiés. Vous voulez me dire que la Maison Blanche ne le reconnaîtra jamais? Exactement. Et pour l'instant, c'est vous l'homme du président, je suppose? C'est exact. Et moi, pourquoi est-ce que je suis là? Vous voulez prendre votre retraite? Oui, c'est un peu ça. Et comment vous savez que je peux prendre votre place? J'en sais rien. Pour l'instant. C'est quoi cet endroit? C'est notre salle d'entraînement. Comme vous voyez, on a tout le nécessaire. Y compris ce que je préfère, le chemin. Et moi, je l'appelle le chemin de croix.
On commence quand? Ça fait plaisir de voir quelqu'un d'aussi enthousiaste. Voyons combien de temps ça va durer. Elle est toujours aussi sarcastique? Non, aujourd'hui elle est de bonne humeur. Procède pas de cette façon. Vous pouvez m'expliquer? Venez, je vais vous montrer. C'est plus clair? Oui, c'est plus clair. Voilà la bonne façon. Très bien, on y retourne. Général Tran. Soyez le bienvenu, Général Tran. Je vous remercie. C'est un grand plaisir. Vous avez le plutonium? Merci. Le plaisir est pour moi. Vous n'avez pas touché aux brocolis? J'aime pas beaucoup les brocolis. Je me contrefiche que vous les aimiez ou non. Vous mangez les brocolis. George Bush ne touchait pas au brocoli. Mais vous n'êtes pas George Bush. Alors, comment est-il? Qui, George Bush? Non, le président Matthews. Je veux dire, c'est un type bien. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. C'est moi qui assure la liaison avec le président. De cette manière, s'il y a un problème au cours d'une mission, il n'y a aucun moyen de remonter à la Maison Blanche. Mangez vos brocolis. Vous n'êtes pas le seul qu'elle martyrise. Oui. Viens. Bon, à partir d'aujourd'hui, on se tutoie tous les trois. Ce sera plus sympa. Passons aux choses sérieuses. Dans des conditions idéales, un adepte des arts martiaux super entraîné prendra l'avantage sur n'importe quel adversaire. Et si les conditions ne sont pas idéales, si tu es épuisé, si tu as faim, si tu as l'esprit fatigué, qu'est-ce qui se passe? Il faut développer tes capacités à garder une concentration totale. Pour ne plus penser à autre chose. Ta condition physique, ta condition mentale, ton inquiétude pour ta sécurité ou même ta vie, rien ne doit exister à part ta mission. Voilà une merveille que les plus grands cerveaux de l'informatique ont conçue spécialement pour nous. Tu peux l'utiliser pour accéder au réseau global des satellites. Tu communiques directement avec moi par un cyberlien qui ferait pâlir de jalousie le Pentagone. Et on a libre accès aux dossiers les plus secrets de la NSA et du FBI. Tu as des questions? Une seule. Il y a un jeu de solitaire? Je suis imbattable au solitaire. Bien sûr. Écoute-moi bien.
Ce téléphone est utilisable dans le monde entier. Il contient aussi un système de détonation à distance. Tu fais un numéro d'accès, puis ton code secret. Il fonctionne sur une pile nucléaire, pas plus grande qu'une tête d'épingle. Et c'est quoi ça? C'est un dérivé de plastique. À côté, l'ancien est un truc pour fillettes. Mais c'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule? Mais ça, me battre avec Kwe. Non mais sans vouloir te vexer, je suis super bien entraîné, j'ai pas envie de temps. Règle numéro 1, ne jamais sous-estimer ton adversaire. Ouais, ça va, arrête, Joshua. Elle m'a eu par surprise, elle risque pas de... Règle numéro 1... Ça va, j'ai compris, j'ai compris. Parfait, au boulot. Quand il apparaît, tu lances. Ouais. Un quart de seconde peut faire la différence entre ta vie et la mort. Le secret, c'est l'investissement. Quand tu fais un truc, fais-le à fond. Allez, essaie encore. Yeah, just try. Alors, tu l'as connu comment, Joshua? À vrai dire, je l'ai connu toute ma vie. C'est vrai? Dans ton dossier, j'ai vu que tu avais été élevé par l'État. Qu'est-ce qui est arrivé à ta famille? J'en sais rien. Il paraît que j'avais 3 ans. Mes parents m'ont déposé devant une église. Pas de lettres, pas d'explications, rien. Si tu veux, je dois pouvoir les retrouver pour toi. Merci, mais... peut-être plus tard. Parle-moi de toi. Où est ta famille? C'est Joshua, ma famille. Je parle de ta vraie famille. C'est Joshua, ma vraie famille. C'est mon père. Oui, ma mère et lui se sont connus au Vietnam un peu avant la fin de la guerre. Ils ont eu le coup de foudre, ils se sont mariés et je suis venue au monde au bout de 9 mois. Où est passée ta mère? Elle a été assassinée. Mes parents ont été trahis par un homme qu'ils considéraient comme un ami. Échec et mat. Je déteste ce jeu stupide. Tu le trouves stupide parce que tu touches pas une bille. Oui, monsieur. Oui, je viens immédiatement. Faut la sortir de là. Je vais prendre les dispositions, monsieur le président. Je sais. Donna, je suis prêt pour ce briefing sur l'Indonésie. Elle s'appelle Courtney Lyons. La fille du sénateur Bob Lyons? En chair et en os.
Il y a 3 mois environ, un ami de Mademoiselle Lyons l'a convaincu de la rejoindre dans une secte plus ou moins religieuse. Il y a 3 jours, Mademoiselle Lyons a fait parvenir discrètement un message à son père. Elle veut sortir. Mais les autres refusent. Exactement. Attendez, j'ai du mal à comprendre. Vous avez la fille d'un sénateur qui est retenue contre sa volonté. Pourquoi on n'envoie pas les Marines ? Est-ce que tu te souviens de l'affaire de la secte qui a brûlé après une attaque du FBI ? Oui, je m'en souviens. Cette secte s'appelle les Élus, et leur gourou est un ancien vendeur de bagnoles d'occasion appelé Douglas Weatherby. De quel droit Washington peut-il nous donner des ordres ? De quel droit ces hommes politiques peuvent-ils nous demander des comptes ? Le loup peut peut-être frapper à notre porte, mais on ne le laissera jamais entrer. Nous sommes une force souveraine, une nation souveraine. Et nous nous battrons jusqu'à la mort pour nos droits de vivre libres. Avoue qu'il est vraiment fabuleux. J'ai une question à 10 points. Les gardes sont là pour empêcher les gens de sortir ou pour les empêcher d'entrer ? Les deux, probablement. La voilà. Tu es sûr que ça va marcher ? Ce fusil projette une pastille qui contient des éléments d'isotopes radioactifs. Elle croira avoir été piquée par un insecte et cet isotope nous permettra de suivre ses déplacements pendant 24 heures. On attend qu'il fasse nuit et on y va. On ? Attends, je crois que je peux m'en occuper seul. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette mission, c'est du gâteau. J'entre, je la trouve et je ressors avec elle sans que personne n'ait eu le temps de comprendre. Aucune mission n'est du gâteau et je ne suis pas sûr que tu sois prêt. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, tu ne crois pas ? Si tu veux. Bon, il y a des gardes qui patrouillent autour du périmètre. Donc toi, tu vas arriver par le lac, ici. D'accord. J'ai jamais vu des photos de reconnaissance avec un degré de clarté aussi fabuleux. On les récupère directement sur le réseau du satellite. Et c'est quoi votre réseau de satellite ? Notre œil dans le ciel. Il n'y a sûrement pas plus de quelques centimètres carrés de la planète qui ne soit pas photographié 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Le micro est multidirectionnel, alors parle normalement. Parfait. Donne-moi ton bras. C'est quoi ça ? Aussi droit à ton isotope. Le point rouge, c'est Courtney Lyons. Et le point bleu ici, c'est toi. Très bien. Attention, n'oublie pas, c'est une simple extraction. Tu entres et tu sors. Compris. Bonne chance. Monsieur Weatherby, la loi sur le terrorisme intérieur va être présentée au Congrès dans une semaine. Si elle est adoptée, on est mort. Qui est le rapporteur de la loi ? Le sénateur Lyons. Va chercher Courtney Lyons. Ça me paraît le bon moment pour qu'elle lui envoie un petit message. Monsieur Weatherby veut te voir. Qui êtes-vous ? J'ai été envoyé pour vous sortir d'ici. Venez. Non, pas sans Cathy. Mademoiselle, ma mission, c'est de vous emmener, alors vous venez. Non, je ne partirai pas sans elle. Je vous en supplie, c'est ma meilleure amie. Je ne vais pas l'abandonner ici. D'accord, où est-elle ? Par là. Cathy ? Cathy, viens vite. Allez, on s'en va. Je te l'ai déjà dit, moi, je vais nulle part. Mais qui êtes-vous ?
Écoute-moi, Weatherby est cinglé. Il est cinglé. Il faut qu'on file d'ici avec ou sans elle. Je ne bougerai pas d'ici. Et moi, je ne pars pas sans elle. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez fait une grave erreur. Qui vous a envoyé ? Personne. Je suis un vieux copain des filles et je vais les emmener. Oh non, vous n'emmènerez personne nulle part. Elle ne voulait pas partir sans elle. Tu as fait une mission. Je sais, Joshua, je sais. Écoute, je suis désolé. Il va falloir que je réfléchisse. Il faut que tu ailles lui parler. C'est vraiment pas un type à qui on parle facilement. Parle-lui. Je sais que tu crois que j'ai été stupide. Je ne crois pas que tu as été stupide. Je sais que tu as été stupide. J'ai simplement suivi mes instincts. Et c'est ça le problème. Toi, tu ne fais que suivre tes instincts. Comme quand tu as frappé le lieutenant. J'avais deux hommes sur le terrain. Tu as eu raison de penser à eux. Mais tu avais d'autres options. Quoi ? Quelles autres options j'avais ? Vas-y, explique-moi. Réfléchis, mon vieux. Et quand tu as tué ce type en prison ? C'était de la légitime défense, et tu le sais. Encore une fois, tu n'as fait que suivre tes instincts. Voilà ce que je sais. Joshua, pourquoi tu me dis ça ? Mais je vais te le dire. Il faut que tu apprennes à ne pas obéir qu'à tes instincts. Ah ouais ? Oui, à ton cerveau, par exemple. Finalement, je ne suis peut-être pas à la hauteur. Peut-être, en effet. Pas le moral. C'est normal. Il a failli louper une mission. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Je ne sais pas encore. Tu te prépares pour cet hiver ou tu fais juste un peu d'exercice ? Salut, Joshua. Bon, disons un petit peu des deux. Quoi de neuf ? T'as des ennuis ? Il est possible que je me sois trompé de candidat. Et pourquoi tu penses ça ? Je ne sais pas, il roule un peu trop, il croit tout savoir sur tout. Et tu penses que tu n'étais pas comme ça quand tu as commencé ? Un peu, oui. Un peu, beaucoup, oui, mais tu as appris. Il y a deux choses qu'il ne faut pas oublier. Quand je t'ai dit de te trouver un remplaçant, je ne voulais pas juste te dire d'en trouver un, mais d'en créer un. Faut pas voir uniquement son côté négatif, mais son côté positif aussi. Et la deuxième, c'est pas parce qu'il ne fait pas les choses comme tu les aurais fait que ça veut nécessairement dire qu'il a tort. Hmm ?
Bonsoir. Bonsoir. Comment s'est passée la visite? On ne peut mieux. Dick, il faut qu'on se parle. Je vais dans mon bureau. Non, nous sommes tous concernés. Tu as échoué là-bas. Joshua, je sais... Laisse-moi finir. Tu as échoué, mais tu as échoué pour de bonnes raisons. Tu vas commettre des erreurs. Mais ce sera ta façon de négocier ces erreurs qui font la différence. Alors, ça veut dire que je ne suis pas viré? Non, tu n'as pas cette chance. Les Américains disent que c'est une guerre contre la drogue, mais c'est faux. C'est une guerre contre nous. Ils ont détruit un de nos centres, mais ils ne pourront jamais trouver celui-là. Les Américains pensent pouvoir nous combattre en toute impunité. Ils croient que nous n'avons aucun moyen de riposter. Eh bien, Général Tran, grâce à vous et à votre plutonium, ils vont découvrir qu'ils ont tort sur toute la ligne. Gonna strut your stuff. You can talk the talk, but it ain't enough. The walls keep getting higher. You got the plan, got the world in your hand. Gonna roll the dice, gonna take a stand. But can you brave the fire? The good won't get you far when you bet your life. Better have the cards. You can bluff, but there won't be a next time. It's only the strong. C'est bien. Tu vas me faire un saut périlleux arrière plus deux complets. Eh ben, je viens de les faire. Je sais, mais cette fois, tu vas le faire un bandeau sur les yeux. Quoi, il plaisante, là, hein? À ton avis? J'ai fait carton plein. Oui, c'est un peu mieux. Quoi? Un peu mieux. Un peu mieux. Dix-huit secondes. Ah oui. Bon sang, je suis génial. Je ne t'ai pas dit de ne pas être trop confiant. Ah, oh, tu sais ce qu'on dit, ça n'est pas se vanter si on est capable d'assurer. C'est quand même se vanter. Eh bien, ce vantard dit qu'il arrivera à la cloche avant toi. Ah, vraiment? Essayons. Tu joues pas très fair-play. Moi, je joue pour gagner. Et toi, quel était ton objectif? Ah, j'en sais rien. La mission, faire sonner la cloche. Qu'est-ce qui t'en a empêché? Eh ben, c'est toi. Exactement. Dans certains cas, tu seras obligé d'éliminer un obstacle avant d'atteindre ton objectif. Bon, messieurs, c'est terminé les petites vacances. Oh. Ça, c'est le docteur Francis Anderson, un physicien de renommée mondiale et expert de l'administration de sécurité nationale en matière d'armes nucléaires. Le docteur Anderson ne s'est pas présenté au bureau hier. La NSA a envoyé une équipe chez lui. Le docteur Anderson, sa femme Donna et ses deux filles, Stacy et Terry, n'étaient pas là.
La NSA, en coopération avec le FBI, a déclenché une enquête de grande envergure, mais pour le moment, ils ont fait chou blanc. Ils pensent que la famille a été enlevée. Oui. Et ils mettent le paquet pour tenter de la retrouver. Le président a demandé notre aide. Allez, grouillez. Allez. Allez, par ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Votre nouvel employeur, Dr. Anderson. Qu'est-ce que vous attendez de moi? 6 engins nucléaires tactiques. Nos amis vietnamiens vont fournir le plutonium et vous apporterez votre savoir. Nous verrons bien si l'Amérique est vraiment prête à faire la guerre à la drogue quand un engin nucléaire aura explosé dans un couloir du métro de New York. Il n'est pas question que je vous aide. Vous allez nous aider, autant que les choses soient claires. Vous allez nous aider, parce que si vous refusez, votre famille sera détruite. Une fille après l'autre, lentement et bien douloureusement. Vous comprenez? Oui, tu commences à t'améliorer. Mais... échec et mat. Ce jeu est stupide. Mais tu commences à t'améliorer. Ouais. On a retrouvé Anderson et sa famille. Selon le dernier rapport envoyé par l'anglais, le docteur Anderson et sa famille sont retenus prisonniers par le cartel de la drogue de Santiago en Colombie. Le cartel de la drogue de Santiago? Quand je faisais partie de Delta, on a détruit leur principal centre. Apparemment, ils en ont reconstruit un autre dans un coin perdu de la forêt colombienne. On a les coordonnées? Non. D'après nos informations, plus de 16 000 km² de la Colombie sont contrôlés par ces seigneurs de la drogue. Et il y a des centaines de petits centres éparpillés dans le pays. D'après nos sources de renseignement de Colombie, Don Diego a conclu un marché avec un groupe d'anciens officiers militaires vietnamiens, dirigé par un général Van Tran. Van Tran. Ce Van Tran, est-ce que tu le connais? Je le connais, oui. Et c'était lui? Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est l'homme qui a tué ma mère. Plutonium. Où avez-vous trouvé ça? Votre contact en Colombie est un dénommé Felipe Juarez. Il vous retrouve à cet endroit à 4 heures demain après-midi. Pourquoi ce type nous aide-t-il? Parce que sa mère, son père, sa femme et ses 3 enfants ont été massacrés par les hommes de Santiago. Oui, c'est une bonne raison.
Oui. Je trouve aussi. Je suis là. Je suis à l'étroit. Dans quelques minutes, tu auras tout l'espace que tu voudras. 3 minutes avant le largage. Allons. Passons aux choses sérieuses. La de notre contact est à 1 km, sud-sud-ouest. Des hommes de Santiago. On peut oublier notre contact. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'après ce que nous a dit Quill, la NSA a un œil dans le ciel qui balaye le secteur toutes les 15 minutes. Oui, et alors? Elle a dit qu'il y a des centaines de centres de traitement de la drogue dans tout le pays. Chercher le bon, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Exact. J'ai une idée. Il faut contacter Koué. On a besoin de photos prises par les satellites. Tu as les coordonnées? 5 degrés, 53 minutes nord, 75 degrés, 11 minutes ouest. Très bien, j'accède aux satellites tout de suite.
Quelle heure exactement? Commence à 16h. Et remonte à partir de là. Ah, voilà nos amis. La bande de Santiago. Remonte. Place un marqueur sur la Jeep. Et tu remontes là où tu as commencé. Stop ici. Zoom avant. On l'a trouvé. Quoi? Quelles sont les coordonnées? 7 degrés, 16 minutes nord. 70 degrés, 2 minutes ouest. Ça le met juste au milieu de la jungle. Juste à l'extérieur de Medellín. D'accord. On te contactera quand on aura rempli la mission. Bonne chance, les gars. Combien de temps encore? Mais je ne sais pas. Cet équipement est très ancien. Vous avez jusqu'à demain matin. C'est impossible. Avec une bonne motivation, rien n'est impossible. Vous aurez terminé demain matin. On va rentrer. Quand? Bientôt, chérie. Dès que papa aura fini son travail. Ne t'inquiète pas. Venez. Où est-ce que vous nous emmenez? À vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous choisissez. La première qui mourra. Non, non, je ne peux pas faire ça. Bien, je vais le faire pour vous. Non! Vous êtes trop précieux pour être tué. Pour l'instant. Il vaut peut-être mieux que tu parles à ton père, chérie. Parce que s'il ne travaille pas davantage, alors demain matin, je vais être obligé de te tuer. Non. 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 Pas ça. Non! C'est presque l'aube. C'est encore loin? 6 kilomètres du camp. Par ici. Allez, viens, dépêchons-nous. Voilà, c'est l'heure.
J'ai presque terminé. Je suis désolé, mais comment pourriez-vous me respecter si je ne tenais pas ma parole? Non, attendez, s'il vous plaît. J'ai presque terminé. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Je vous l'accorde. Mais après qu'on ait exécuté votre fille, bien sûr. D'ici ou bien elle meurt. Alors, le voilà. N'aie pas peur. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Vous allez me dire ce que je veux savoir. Alors pourquoi souffrir? Je ne sais pas, c'est dans ma nature, sans doute. Qu'on me prévienne quand il sera prêt à parler. Servait depuis le début? Oui, bien sûr. Conduis la famille en sécurité. J'ai un truc à faire. Très bien. Tran. Joshua McCord. Ah ben ça alors. Tu es vraiment très difficile à tuer. Pourquoi tu fais ça?
Pour 200 000 dollars. Le Nord-Vietnam voulait absolument que tu sois tué. Mais pourquoi ma femme? Pourquoi Lee? Je ne pouvais pas laisser de témoin. Tu comprends? Oh, doucement, je suis de votre côté. Mais qui êtes-vous? On m'envoie pour délivrer votre famille. Alors vous restez groupés et vous me suivez. Oh, mon Dieu. Il y en a assez. Attendez, ne bougez pas, je reviens. Je me suis toujours demandé ce qui se passerait si on devait se revoir. Nous allons le savoir. On y va. On change de centre, c'est plus prudent. Allez, dépêchons. Lobo, où est le gardien? Je ne sais pas. C'est Tom? Oui. Appelle Kwe.
risquez plus rien maintenant. Merci. Merci. Tu as fait du bon boulot. Merci. J'ai eu un bon professeur. Finissons-en. Entrez. Monsieur le Président, on vient de recevoir un appel de Delta Force. Le docteur Anderson et sa famille sont sauvés et sont en route pour chez eux. Dieu soit loué. C'est quoi, ça? Ton casier judiciaire, complètement nettoyé. Ça veut dire quoi, complètement nettoyé? Ça veut dire que tu es libre de faire ce que tu veux. Vraiment ce que je veux? Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux être l'homme du président. Bonne chance, monsieur.